Il y a actuellement un événement sur Modern Warfare 2 et Warzone 2 qui va vous permettre de débloquer énormément de récompenses gratuitement. Alors cet événement s'appelle Trophy Hunt et il consiste à récupérer des trophées sur les adversaires. Donc quand vous allez faire des éliminations, là vous pouvez voir les objectifs à réaliser dans le multijoueur Warzone et DMZ. Donc quand vous allez réaliser des objectifs qui est noté sur l'écran, là vous allez pouvoir obtenir des trophées. Et ces trophées, quand vous les obtiendrez, vous allez pouvoir les échanger dans l'onglet événements, donc dans une boutique spéciale pour l'événement. Vous allez pouvoir les échanger contre des récompenses. Donc ici, nous avons carrément une petite variante d'arme qui est plutôt sympathique avec un scorpion. Voilà, couleur verte, verte brillante, qui est plutôt pas mal. Et vous avez aussi des opérateurs. Donc regardez, il y a l'opérateur rose. Alors celui-là, je le trouve pas du tout stylé. Mais le deuxième est plutôt pas mal, donc maîtrise numéro 2, quand même plutôt pas mal, qui s'appelle Koenig, et je trouve plutôt cool. Alors, surtout que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Pour débloquer ces opérateurs, il faudra acheter 10 objets pour recevoir la récompense. Donc quand vous achetez 10 objets aléatoirement, enfin, que vous voulez dans la boutique, des trophées, ben, vous débloquerez le premier opérateur. Et pour le deuxième opérateur, il faudra acheter 15 objets. Il faudra dépenser vos trophées contre 15 objets. Alors ici, il y a des objets comme un consommable, apparence de véhicule, emblème, écran de chargement, passe de combat. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est sûrement un jeton de passe de combat. Ouais, passe de combat de niveau 1. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un jeton de passe de combat. Et vous avez une autre variante que vous allez pouvoir débloquer le 27 du 4, donc c'est-à-dire dans plus ou moins 2 semaines. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information.